Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, on commence ce vlog à la sortie du métro Rond-Point du Prado. Bon, si vous ne l'avez pas deviné, je vous l'ai fait court. On est un peu à la bourre, comme d'habitude, on va pas se mentir. Le match commence là dans 5 minutes, donc je pense, allez, autour de la 10e minute de jeu, on va rentrer. Donc, je vous plante le décor. OM Tottenham. En fait, c'est très simple. L'OM gagne aujourd'hui, l'OM est qualifié. Il n'y a pas A plus B. Bon, il y a éventuellement un scénario où il finirait 3ème, il irait en Europa League, mais l'affaire est extrêmement simple aujourd'hui. Ça gagne, ça passe, ça gagne pas, ça passe pas. Donc c'est l'intro la plus directe que j'aurais pu faire. Alors c'est parti pour OM Tottenham en souhaitant aux Marseillais que... Ils réussissent enfin à retrouver les sommets en Ligue des Champions. Allez, c'est parti. Yeah.
première mi-temps ici au stade Vélodrome. Bon, ça a commencé, c'était un peu mou, donc bah, pas grave au final que je sois arrivé en retard. Mais ensuite après sur la fin, l'OM a vraiment commencé à accumuler les occasions. Et l'explosion de joie qu'il y a eu sur ce but, c'était un truc de ouf. Je pense qu'on le verra en vidéo, mais... Bon, maintenant, il n'y a qu'un mot d'ordre, c'est tenir ce score. On s'en fiche de ce qui se passe de l'autre côté. Mais je vous donne le score là, enfin après l'avoir regardé, je vous le mets là, le score à la mi-temps de l'autre match. Mais ce qui compte, maintenant c'est faut tenir ce score. Alors on leur saute à l'OM. Allez, c'est parti pour la deuxième mi-temps. Thank you.
Bon, on est sorti plus tôt pour éviter la file pour rattraper mon bus. Mais franchement, c'est quelle désillusion, franchement. Il n'y a pas d'autre mot. Quand t'as été tellement à deux doigts d'une tête, je crois que c'était Luis Suarez, mais qu'est-ce qu'il nous rate là? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a raté? C'est pas possible. Et au final, alors qu'ils tergiversaient à lâcher leur dernière action pour essayer de gagner ce match contre Éclair. Et le pire dans tout ça, c'est qu'avant ça, ils avaient la place en Ligue Europa, vu que Sporting avait perdu. Et ils l'ont perdu, mais ils ont même perdu ça, je crois. Enfin, c'est. Pourtant, honnêtement, ils ont chèrement vendu leur peau aujourd'hui. Ils ont fait honneur à leur couleur à eux. C'est le football, c'est comme ça. En tout cas, moi je retiens direct qu'on a vécu une soirée forte en émotion, mais. Voilà, c'est comme ça. Je me rappelle l'année dernière, vous l'aviez vu en vlog. Paris FC Sochaux, c'était le même genre de clim incroyable sur la fin. Bon, ça, ces deux matchs ici au Vélodrome pour Ligue des Champions auront été un plaisir. L'ambiance était là, même si je l'ai déjà dit, au niveau du virage sud, bon, il y a un petit décalage entre les CU 84 et les South Winners, ce qui fait que bon, les chants ne résonnent pas autant qu'ils devraient, mais en tout cas, c'était solide aujourd'hui. On va dire ce qui est. Il faut leur rendre hommage là-dessus. Et voilà, on espère se retrouver très bientôt pour vivre des émotions plus positives, j'espère. Alors je vous invite à vous abonner, à liker, et on se retrouve très bientôt. Ciao.